apporter davantage, mais j'étais un peu contracté. Est-ce que cela vous gêne de n'être que troisième? Non, pas du tout, non, au contraire. Deuxième ou troisième, je pense qu'il n'y a pas tellement d'importance. L'essentiel, c'est d'être sur le podium. Je pense que les places deuxième et troisième sont d'égale valeur. Et puis, vous avez pu constater que vous étiez encore le coureur le plus populaire du Tour de France. On a même tendance à oublier Dee Merckx parfois un peu. D'endurer, on peut dire, encore 2 heures. S'il remporte son troisième Tour de France, il rejoint Louison Bobet, Palmarès. Alors que Merckx et Hinault sont toujours hors d'atteinte avec 5 victoires. Hors d'atteinte, vous croyez, pour Wagnermann? Ah non, non, pas du tout, il ne fait pas dire ça. Vous pensez qu'il peut gagner? Il vous a dit qu'il avait l'intention de courir encore 4 ou 5. Ouais. Je vous ai entendu lui poser la question. Donc pour lui, ça peut être même 4 ou 5 victoires espérées. S'il en récolte 2, ça sera déjà pas mal sur les 5. Il aura égalé Merckx et Hinault. Que dire de plus, hein? Attention, tout de même. Gagner 5 fois le Tour de France. Par quoi on doit passer? Attention tout de même à tous ceux qui arrivent. On parlait de Induren, on parlait de Bugno, de Brocking également. Ce seront des clients dans les années à venir. Oui, mais Lemon, qui, je le répète et je le pense sincèrement, n'était pas cette année au mieux de sa condition, s'améliorera encore l'an prochain. Il devrait s'améliorer s'il passe un hiver assez peinard, assez tranquille, et préparer parfaitement cette fois le tour. Entre Romain Pinsec et Gasto. Allez, la dernière côte a enregistré son classement. Côte de Châteaufort, 4e catégorie. Eh bien, il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu. Brochard, il a fait un bon début de tour, mais qui a faibli un peu ensuite. Brochard a tenu à passer en tête, peut-être pour rendre hommage à Jacques Anquetil. Premier, comme vous l'avez dit et comme on l'a vu, Brochard. En deuxième position, donc, Roland Pinsec. Et en troisième position, Claudio Capucci. Le sprint était jugé donc devant la stèle. 94 km 500. Et que nous serons sur les Champs-Élysées dans 20 km. Noget eller men det man vil bare have ind, og man vil gerne have ind først, hvis det kan lade sig gøre. Der er sådan lidt kutume. Jean-Pierre Prucker, également le sprinter de son bourgeois pour les arrivées massives. Et
rattrape de Richie Porte. Richie Porte n'est pas là, lui qui a gagné deux fois par élite dans sa carrière. Ouais, il devait faire Tirreno Adriatico, mais finalement il ne s'alignera même pas en Italie. Malade, Richie Porte. Il reprendra un peu plus tard. C'est hein, son début de deux saisons sur Paris-Nice et une course qui lui convient bien. Il a déjà fait trois top 10 au classement général. Donc il est bien cette année dans sa nouvelle formation. On lui a mis une équipe eh bien, 100% dévouée à sa cause. Figurera bien au classement général. En tout cas, la saison est bien partie. Il a déjà gagné, remporté le général sur Bessège. J'ai besoin d'un média qui réalise vraiment un très bon début de saison. Avec 6 victoires déjà pour la formation.